Bonjour et bienvenue à cette petite vidéo où on va, pas parler Lightroom ni Photoshop, on va parler comment trouver les sources de lumière sur une photo. Ça fait suite à une discussion que j'ai eue sur Facebook, une personne d'ailleurs qui est venue sur le groupe Oui, oui, photo, tout le reste. N'oubliez pas que ce groupe-là... Et là, pour que vous puissiez poser des questions relatives à la photo, mais euh, qui ne sont pas Lightroom ou Photoshop, pour ça il y a un groupe dédié. Et euh, sur une de mes photos, il me demandait combien euh, il y avait de sources. Je lui ai dit, bah, devine. Alors je vous avais déjà fait un épisode où je vous demandais de deviner les conditions de prise de vue, vitesse, euh, focale et ainsi de suite. Et ben là, on va regarder un peu comment trouver les sources sur une photo. Alors vous allez me dire c'est facile, c'est mes photos à moi, je les connais. Euh, oui, encore que certaines j'ai oublié comment elles étaient faites. Mais on va surtout aller ensuite sur un autre site. Euh, on va aller sur 500px. On va regarder les, les photos du moment et on va essayer de voir comment euh, elles ont pu être prises. Alors. On va euh, regarder, on va se mettre en, en plein écran, ça sera plus simple. On va regarder les photos et on va regarder comment on peut facilement découvrir combien de sources il y a sur une photo. Dès que vous avez de la couleur, ça devient assez évident, euh, dans le sens où euh, les couleurs euh, se mélangent. Donc si vous avez des couleurs qui sont franches, ça veut dire a priori qu'il y a une source de lumière par couleur. Si on voit cette photo, on voit clairement qu'il y a un flash qui éclaire ici en rouge. D'accord Ça, ça se voit. On voit ici sur le côté qu'on a quelque chose qui éclaire plutôt en orange, et d'ailleurs c'est confirmé par le petit point brillant dans l'œil que vous avez là, les, les, les yeux, c'est. Pour trouver les sources, c'est très très pratique. Mais vous voyez ici qu'il y a un petit point tout seul, là, ici, et c'est celui qui fait le bleu, en fait, c'est un, un projecteur Gobo qui balance une, un trait de lumière comme ça, bleu. Donc là, typiquement, sur ce genre de photo, il y a trois sources. Est-ce qu'il y en a une sur le fond Non, le fond est a priori noir, donc on ne peut pas dire qu'il y a une source sur le fond. Donc là, vous pouvez affirmer qu'il y a trois sources sur cette photo. Si on regarde cette photo, on voit ici une source, on la voit bien, on la voit bien dans l'œil. A priori même euh, j'aurais tendance à dire que c'est un bol beauté puisqu'on voit un rond, euh, on voit un rond blanc avec un petit, un petit rond foncé euh, à l'intérieur. Euh, il est un peu sur le côté, ce qu'on qu voit, puisque vous voyez que là ici c'est pas éclairé, on a les ombres, on a des ombres assez marquées ici, donc c'est vraiment une source qui est sur le côté par là et qui euh, arrive sur le modèle, il n'y en a pas d'autres, je voyais en bas, vous voyez c'est pas plus éclairé en bas, donc là c'est une photo avec une source de lumière, d'accord, Je c'est assez facile à trouver. Si vous regardez celle-là, combien de sources de lumière il y a Bon, il y en a une ici qui est évidente, c'est euh, a priori le soleil. Alors en fait non, c'est pas le soleil. Ce jour-là, il faisait pas beau. C'est un flash avec une gélatine couleur soleil, d'accord. Mais si vous aviez un soleil comme ça sur le côté, le visage serait pas éclairé comme ça. Et d'ailleurs, ça se confirme au niveau de l'œil. Vous voyez que dans l'œil ici, il y a un petit point euh, là que vous pouvez voir dans l'œil là, là-haut. Donc qui vous indique qu'il y a une source de lumière qui arrive en face. Hein. Alors elle n'est pas tout à fait en face, elle est un peu sur le côté, donc elle doit se trouver à peu près dans ces eaux-là. Euh, de mémoire, c'était une petite octobox. Donc là, on a une source de lumière là, c'est sûr, plus éventuellement une source de lumière là qui est naturelle ou pas, mais là, on a deux sources de lumière. Il euh, n'y en a pas il euh, en a pas plus que ça. S'il y avait une source de lumière par en dessous, par exemple ici, ça serait plus éclairé, on aurait moins d'ombre. Donc là, on peut dire qu'il y a deux sources de lumière. Alors celle-là elle est assez, euh, assez marrante. Ici, vous voyez que le fond il est orange. D'accord? Donc on peut penser qu'il y a un projecteur ici qui balance de l'orange quelque part. Ça se confirme ici au niveau de la main, ici, vous voyez du orange là, et vous voyez au niveau de la hanche ici, vous avez du orange aussi. Donc là, on peut partir du principe qu'il y a une source de lumière pour l'orange. orange. Ensuite, on voit qu'ici, là, là, on a une source de lumière, puisque vous voyez que... Toute sa, la silhouette ici est dessinée par une source de lumière, et en plus c'est une source de lumière qui est assez, je dirais, euh, constante puisque on a à peu près le même éclairage qui est là que là. Donc c'est une source de lumière qui est assez haute euh, et qui fait au moins toute cette longueur-là. Alors dans le cas présent c'est ce qu'on appelle une strip box, c'est une espèce de soft box euh, rectangulaire un peu en hauteur qui va se trouver sur le côté. Mais est-ce que ça, ça suffit pour éclairer le visage Non. Là, le visage, il n'est pas éclairé par le orange qui vient de là parce que ça serait du orange. Euh, le visage, le truc là sur le côté, on voit bien que ça éclaire que sur le côté, donc ça éclairerait un peu comme ça. C'est-à-dire ce qu'on voit ici, on a un peu de lumière, un peu de lumière par là. Et donc, en fait, vous avez une troisième source qu'on voit d'ailleurs dans l'œil. Là, on voit une partie un peu plus brillante, donc vous avez une troisième source qui est assez resserrée, donc a priori quelque chose avec une grille. Euh, car si cette source était moins resserrée, on aurait le, le bas du corps ici qui est éclairé. D'accord Donc là, euh, ça doit être un bol beauté avec une grille. Et alors, on peut le confirmer si vous faites un peu attention euh, ici au niveau de la boucle d'oreille. Alors, c'est un peu difficile à voir, je vais essayer de, de, de grossir, mais si vous regardez la boucle d'oreille, alors vous n'avez pas toujours accès au. Aux images en haute définition. Hein. Donc euh, là, on en profite parce que c'est les miennes. Vous voyez qu'ici, j'ai bien un reflet là sur le côté qui montre qu'il y a une source qui est là sur le côté. Et vous voyez que j'ai bien ici un truc bien en face de la boucle d'oreille qui montre qu'il y a une source bien en face pour éclairer le visage. Là, par exemple. Alors, on sait qu'il y a une source plutôt en haut, on le voit dans les yeux là, d'accord, qui, qui va éclairer par au-dessus. Mais si cette source éclairait par au-dessus, en dessous là, ça serait avec beaucoup plus d'ombre. Donc là, ça a été débouché. Alors, on peut déboucher comment On peut déboucher avec un réflecteur, d'accord, ou une source de lumière. Là, il se trouve que c'est une source de lumière, on le voit d'ailleurs en dessous de l'œil. Vous voyez un petit trait là, un petit trait qui se trouve là et alors on va, on va regarder zoom, hein. vous voyez qu'ici j'ai un bol beauté, on voit le rond avec le petit rond au centre, et là vous voyez que j'ai un truc rectangulaire pour éclairer. Alors, ça, comme je dis, ça peut être une source ou un réflecteur, avec un réflecteur vous allez aussi pouvoir déboucher les ombres là, c'est-à-dire que la lumière du truc en haut va se réfléchir dans le réflecteur qui va ramener de la lumière là. Donc source de lumière ou réflecteur, des fois c'est peut-être un peu difficile de faire la différence, mais euh, ça, ça, regardez dans les yeux, souvent ça vous permettra de voir euh, si, la forme, si la forme est, est, est comme là, et que c'est quand même pas mal éclairé, on peut partir du principe que c'est une source de lumière. Mais c'est vrai que source de lumière et le réflecteur, des fois ça peut être un peu particulier si on regarde par exemple celle-là on voit qu'on a un spot lumineux ici donc on sait qu'on a une source de lumière qui arrivait par là haut euh, on voit bien l'ombre ici des pieds qui arrivent par là on voit que cette source de lumière est assez resserrée puisque vous voyez ici qu'on ne voit pas le fond heureusement d'ailleurs hein, parce qu'il y a moi dans le fond mais moi on ne me voit pas euh, puisque je ne suis pas euh, éclairé donc là on peut partir du principe qu'il y a une seule source de lumière moi ce que je vous propose maintenant c'est qu'on va aller sur le site 500 PX et on va regarder un peu des photos, essayer de trouver le, le nombre de sources qu'on peut avoir sur les photos. C'est un exercice au début hein, quand on fait du studio. Moi c'est pareil, quand je regardais une photo au début, je me disais mais pff, combien il y a de sources de lumière, j'en ai strictement aucune idée. Mais en fait il suffit de regarder un peu. Et surtout quand vous aurez commencé à faire vos premiers essais, vous, avec vos flashs. Vous allez vite vous rendre compte de ce qui se passe euh, si vous mettez le truc un peu plus haut, ou un peu plus bas. Et vous serez donc capable, en regardant une image, de dire Ah oui, d'accord. Alors lui, il a mis la lumière là, ou il a mis la lumière là. Et ça vous permettra ensuite d'essayer de reproduire ce que vous voyez. On n'est pas tous des créatifs, hein, moi le premier. Donc moi, souvent, je reproduis des choses que j'ai déjà vues ailleurs. Mais pour les reproduire, il faut au moins que je comprenne comment la photo a été prise. Alors, on va basculer sur 500px. Donc nous voilà dans 500 PX, dans une galerie créée par un gars, il se trouve qu'il a mis une de mes photos dedans, donc on va regarder sa galerie à lui. On va regarder les différentes photos et essayer de comprendre comment ça a été fait, combien de sources de lumière il y a. Je vous propose de prendre par exemple celle-là, puis on va l'agrandir. D'accord Donc celle-là, qu'est-ce qu'on voit On voit que c'est des lumières qui sont très douces. D'ailleurs on voit dans l'œil qu'on voit à peine les sources de lumière. En fait, on voit qu'il y en a une ici. Là, d'accord, qui a l'air de se trouver plutôt sur le côté. Mais on en a une autre ici, là, on voit dans l'œil, il y a un petit machin qui a l'air de se trouver un peu au-dessus. Et ensuite, pour ce qui est sur le fond, eh ben, le fond, vous pouvez pas dire parce que c'est une incrustation. Ça se voit d'ailleurs, c'est assez, euh, assez découpé à l'arrache. Hein. Donc euh, sur le fond, vous pouvez pas dire, mais sur le sujet, je pense qu'il y a deux sources de lumière, une un peu sur le côté euh, vers là. Et une un peu euh, là euh, sur ce côté-là, d'accord On voit par contre qu'il n'y a pas beaucoup d'ombre en dessous là, donc on peut partir du principe s'il n'y a pas beaucoup d'ombre en dessous, il y a peut-être un réflecteur, quelque chose qui ramène de la lumière. Si on avait des sources, ah, encore que celle-là, ouais, celle-là, elle est pas très haute, celle qui est sur le côté, donc c'est peut-être la source ici qui est sur le côté qui éclaire aussi un peu euh, le cou. Mais comme je n'ai pas d'ombre ici au niveau de la main, euh, à voir. D'accord Donc, c'est pas toujours évident, on ne peut pas toujours trouver euh, d'un seul coup. Hein, on fait des hypothèses, mais on, se, on a quand même une, une, idée, euh, une idée de ce qui est faisable. Si je prends par exemple celle-là, euh, de Jacek Poplavski, euh, on voit sur cette photo, il y a manifestement une source qui est de ce côté-là, d'accord Qui éclaire le bras et qui éclaire son sein euh, de ce côté-là. Et il y a manifestement une source qui est de l'autre côté, d'accord Ici, au niveau du centre, on voit que c'est plus sombre que de chaque côté. Donc, il n'y a pas de source de lumière au niveau du centre. Donc, celle-là, j'aurais tendance à dire qu'il y a vraiment deux sources de lumière une source de lumière à droite, une source de lumière à gauche, et euh, ça s'arrête là. Euh, ensuite, on va continuer, en faire une troisième pour voir. Alors, euh, laquelle on va prendre Tiens, celle-là. Alors, celle-là, qu'est-ce qu'on a Si on regarde à l'intérieur, en plus grand. Ouh, alors là, on a, on a pas mal de choses là-dedans. Hein. On, a, on a une source là sur le côté. Ok. Là, on a un petit truc qui brille comme si on avait un petit réflecteur en dessous. Et on a ensuite une autre source là. Alors là, je vous avouerai que je ne reconnais pas trop les sources. On voit des trucs rectangulaires. Donc euh, il y a peut-être une, peut une, une softbox assez en face. C'est ce petit truc là sur le côté qui m'étonne qui là, euh, ce, ce petit truc qui ressemble à un réflecteur euh, qu'il a peut-être mis. Puis là on a encore un autre truc sur le côté qui à mon avis doit éclairer cette partie de cheveux là. Donc celle-là par exemple, difficile. Euh, je ne suis, euh, suis pas sûr de mon coup, pas sûr de mon coup du tout euh, pour vous dire exactement comment ça a été fait. Alors ensuite, on va encore en prendre une dernière et on s'arrêtera là. sais pas euh, celle-là, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de choses. On va prendre euh, tiens, ben on va prendre celle-là pour voir un peu. Oula, ça c'est de la coiffure. Alors qu'est-ce qu'on voit ben, on voit une lumière ici qui éclaire derrière, forcément, d'accord On le voit, c'est est une évidence. Ça éclaire là le cou et ça éclaire comme ça. Et ensuite, on, une lumière assez euh, assez forte euh, d'ailleurs. Et ensuite, on voit qu'on a une lumière beaucoup plus douce euh, qui se trouve devant et d'ailleurs qu'on voit ici dans l'œil. Hein. Donc là, euh, comme c'est un fond euh, gris, euh, à mon avis, le fond est éclairé par les deux sources de lumière. Donc il n'y a pas d'éclairage là sur le fond. D'accord C'est juste l'éclairage des lumières qui arrive sur le fond et qui fait un fond comme ça. Donc voilà, vous voyez, ce n'est pas trop compliqué, il faut regarder, être attentif, mais on arrive quand même assez facilement à savoir combien de sources de lumière il y a sur une photo. Entraînez-vous, regardez, essayez. Euh, si vous voulez vous marrer, vous avez, je vous ai déjà parlé du logiciel euh, Satellite 3D Studio qui permet de simuler entre guillemets euh, un studio avec les sources de lumière. Ça vous permettra de, de jouer un peu. mais... Avec l'habitude, quand on regarde une photo, on arrive à peu près à comprendre comment la photo a été faite. Alors on n'a pas forcément exactement le bon modeleur, la bonne taille du modeleur, ou ce genre de choses. Mais euh, ça, donne une, ça donne une idée, et vous verrez quand vous ferez vos premiers tests, vous regarderez les yeux de vos modèles. Et vous arriverez ensuite facilement à comprendre ce qu'un autre photographe a pu utiliser comme lumière. Un petit retour rapide sur Lightroom pour remercier Charlotte, Elisa, Ségolène, Estelle sur ces deux photos. Et Katie sur la dernière. C'est des photos que j'ai utilisées pour vous expliquer au début comment trouver les sources. Voilà, merci, au revoir.